On parle aussi sur notre canton, la voie aérienne périphérique. Voici les embouteillages, il y a un problème, soit ils sont allés au madame de Nambian Balo, embouteillage qui a été rangé de Sararan. Donc, vous avez un problème, 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 vous avez un Wenda centre kombani. Mana teleferiki yo nzuzuria he, yo kaisa hachanza nyengi tu babu kartumenya ulanga. Apre, yo utilua yu tsi hazi nyengi. Tuluzu wa ifanya banu Bresti na Malago yangina Grenoble. Seskri nzuzuri, isa nzuzuri etena buwelo ambasi mwanashisiwa. Watu wa moja uspara raha wa ware wangone fete uzuru wa maure. Mana rasujua ma maure uzuru ya mzuri. Dongu tsoka etena mba watu wa uspara wangale fete iyo. C'est le voyage de l'utile et de l'agréable. L'utile parce qu'en fait il faut une quinzaine de minutes à peine pour sortir du Bois de Nèfles et arriver au chaudron là-bas au terminus avec entre les deux trois stations. L'agréable, eh bien l'agréable, il suffit de jeter un œil, de se retourner pour se rendre compte que la vue est magnifique. La découverte, c'est ce que sont venus chercher ces quatre amis. Embarquement au chaudron, le départ de la ligne Papang, longue de 2 km 700. Quelle sensation! On a une belle vue. Ah, c'est super, super. Ah oui. Sophia, tu aimes? Sophia n'est pas rassurée. Sa grande voisine non plus, jusqu'à 36 mètres au-dessus du sol, suffisant pour faire son effet. Non, je regarde pas. Comme ça, hein? Moi, je regarde. On dirait la peur. Non, je n'ai pas peur, moi. Quand je rentre dans l'avion, c'est pareil, je ne regarde pas du tout. Exact. Sous leurs pieds, successivement, les quartiers du Chaudron, de Moufia et de Bois de Nèfles, avec lesquels il faut se familiariser d'en haut. La médiathèque, et puis les autres, ils ne voient pas trop, hein. Ils ne remarquent pas trop les autres. Hein. 15 minutes pour aller d'une extrémité de la ligne à l'autre, 2 à 3 fois moins qu'en voiture aux heures de pointe. Pour la municipalité, ce téléphérique est justement un outil pour faire reculer le tout automobile, ajouté aux autres modes de déplacement comme le bus ou le vélo. Vous avez le choix. Ne faites pas le choix des embouteillages. Faites le choix aussi du porte-monnaie. Un ticket pour le bus et pour le téléphérique. C'est nettement moins cher que un plein d'essence, surtout en ce moment. C'est bon pour la santé. Papang a coûté quelques 50 millions d'euros. Il transportera 2 millions de passagers par an. Le projet de la deuxième ligne, la Montagne-Belle-Pierre, est déjà sur les rails.